Hello. C'est bon? Vous êtes prêt? Tout est prêt. You can sit here, please. Sure. Yes. Thank you. Assieds-toi. Okay. J'ouvre la fenêtre et c'est bon. Oh my God. I'm sorry. It's cold. Excuse me. Sorry. Can you take off this? Sure. Yes. Thank you. Voilà. C'est bon là? C'est bon. Ça va? Oh, I have my little fish, you know. Ça va? Ça tourne là, tu me fais une annonce? Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, l'idée de partager ce qu'on sait, pour autant qu'on sache des trucs, et ce qu'on aime surtout, et l'affect qu'on a avec un certain nombre d'objets, un certain nombre d'idées. Ça s'est trouvé, et ça se trouve toujours, dans mon travail de critique. Pour moi, mon activité de critique pourrait largement, j'espère ne pas être un prof quand j'écris, et par ailleurs, je suis maintenant enseignant avec des gens un peu plus âgés. J'étais enseignant à l'université, là je le suis à Sciences Po. Mais d'une certaine manière, c'est poursuivre la même démarche. J'ai surtout été critique, j'ai surtout été quelqu'un qui écrivait pendant 20 ans. Et puis au bout d'une longue période, essentiellement, où ma pratique principale était d'écrire, il y avait cette envie d'avoir des gens en face de soi et de voir dans leur regard un retour par rapport à ce que je disais. C'est effectivement le groupe que j'avais créé, qui s'appelait L'Exception, et qui était l'idée, au bout de dizaines d'années que je travaillais au journal Le Monde, et avec cette forme d'accumulation, là aussi, il y a du savoir, il y a de l'expérience, il y a des questions qui se posent, de partager une réflexion sur le cinéma avec des interlocuteurs, qui étaient d'abord des gens que j'estimais à titre personnel, ensuite des gens avec des parcours et des origines assez différentes, des universitaires, des cinéastes, des acteurs associatif ou de la sphère publique liée au cinéma, on a essayé de réfléchir, de discuter ensemble et de construire des espaces de réflexion qui permettent d'aller au-delà de ce qu'on pouvait faire, de ce que je pouvais faire dans un rapport un peu directement connecté à l'actualité du cinéma. Un critique écrit sur les films qui sortent. Des fois, il écrit sur une rétrospective, et puis des fois, il peut proposer des papiers d'analyse un peu plus larges. Mais là, il y avait l'idée de mettre en place quelque chose de collectif et de plus général, disons, à propos du cinéma, mais aussi sur comment le cinéma aide à penser le monde, aide à penser la société dans laquelle on vit. Pour moi, le travail que je fais n'a jamais été le cinéma pour tourner le dos au monde, mais au contraire, c'est un moyen de comprendre peut-être tout petit peu d'agir, mais en tout cas de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Je travaille aussi beaucoup avec des enfants dans des organismes comme école et cinéma, lycéens au cinéma, collège et apprentis au cinéma, pour citer cela. Je pense que c'est très important de continuer d'organiser des rencontres entre les spectateurs et une diversité de types de films. Et on voit que quand on se donne la peine de construire ces rencontres, ça marche, et que tout le monde ne veut pas voir que les gardiens de l'univers, même si ça va aussi de voir les gardiens de l'univers, mais qu'on peut tout à fait organiser la rencontre entre des publics très variés et des films très variés. It's typical of French cinema, you know? Nombrilistic, you know? Nombril, nombril. Cinema about your nombril, only to please yourself, not for the public. It's only for the intellectuals, you know, for the elite public, real public, like a strong director, like, I don't know, Schwarzenegger,
Jean-Claude Van Damme, you know Jean-Claude Van Damme, it's like Kung Fu. Là. Moi je connaissais Olivia Assayas, d'abord j'ai lu Assayas qui écrivait dans les cahiers du cinéma comme critique, une critique de grande qualité. Moi, j'étais à l'époque lecteur des cahiers, à un moment où j'étais pas critique moi-même, juste comme cinéphile, au début des années 80. En gros, il devient réalisateur quand moi, je deviens critique. Surtout, à partir de L'eau froide et Irma Vep, il y a la certitude que c'est un cinéaste de première grandeur. Pour moi, il faut ces marches-là pour arriver jusqu'à L'eau froide et à Irma Vep, qui sont... j'aime beaucoup les quatre premiers films, hein, et ce n'est pas pour les minimiser, mais voilà, c'était du très bon cinéma français d'auteur, et d'un seul coup, il y a un gars qui fait des trucs que personne ne fait. Il n'a pas voulu être critique, il a voulu être cinéaste. Depuis le début, à un moment, un concours de circonstances, les cahiers du cinéma, la rencontre avec Serge Danet et Serge Toubiana, le fait que c'était une façon de s'approcher de la capacité à devenir cinéaste, d'écrire au cahier, en tout cas à cette époque-là, font qu'il a fait ça, et il l'a fait de manière très brillante, mais pour moi, les films d'Assayas ne sont pas des films de critique. Il y a d'autres cinéastes qui ont été critiques, où ça serait éventuellement davantage le cas, l'exemple le plus extrême étant Jean-Luc Godard. Je pense que Jean-Luc Godard, qui a toujours dit que quand il était critique, c'était une manière de faire des films avec un stylo, parce qu'il n'avait pas accès à la caméra, de cette manière, a continué à faire de la critique avec une caméra quand il est... et qu'il y a cette dimension explicitement réflexive et de discours sur, en même temps qu'il y a le film et le discours sur le film dans le même objet, qui sont les films de Godard, d'une manière qui n'est pas du tout la démarche d'Olivier Assayas. T'as vu Les Vampires ? Oui, j'ai vu deux épisodes, justement, et heureusement qu'il y avait la vitesse accélérée. On en a vite fait le tour. Bah, c'est du roman feuilleton. Il y a une poésie du genre, il faut le prendre comme tel. Oui, je sais pas, moi j'ai jamais lu de roman feuilleton, ça m'a jamais intéressé. D'accord. Il y a 6 ans que nous avons commencé à faire des entretiens pour le livre. En fait, il y a 15 ans que nous avons commencé à discuter, Olivia Assayas et moi, en privé, des dîners, au café, ou bien dans la rue, un peu partout, en voyage aussi. C'est quelqu'un dont je suis extrêmement proche, et amicalement et intellectuellement, avec qui il y a effectivement la possibilité de parler d'énormément de choses. Le livre que nous avons fait parle du travail d'Olivia Assayas, de la carrière d'Olivia Assayas, évidemment, mais il parle de peinture, il parle de littérature, il parle de musique, il parle de politique, il parle de la culture chinoise, il parle de l'évolution de la notion de modernité dans les arts depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Olivier Assayas, qui est quelqu'un d'extrêmement cultivé et d'extrêmement curieux, du monde culturel et du contemporain, du monde réel dans lequel nous vivons, est un interlocuteur passionnant et savant. Ces conversations ont pris un tel élan, si on peut dire. On avait plein de trucs à se dire, quoi. En partant de ces films, puisque le fil conducteur, c'est sa vie et ses films, bien entendu, on en venait à parler d'énormément d'autres choses qui nous semblaient mériter qu'on en parle, que c'était intéressant à partager, à raconter, que ça pouvait plaire à d'autres personnes que nous deux de lire ces choses-là. Et donc, c'était devenu beaucoup trop gros. Donc, à un moment, on a coupé au milieu, on a dit on va déjà s'arrêter en 2000. Parce que ça fait déjà un bouquin qui fait 370 pages à cette date-là, et l'espoir de faire le deuxième volume, qui est un peu compliqué par le fait qu'il n'arrête pas de tourner, et donc en même temps qu'on discutait, il faisait des nouveaux films. On voyait bien que c'est l'histoire d'Achille et la tortue, hein, qui se rattrape jamais. Sono dochira mo arimasen. Soitta koto wa issai shiteimasen. Mais de tout, on n'a jamais fait des choses que vous imaginez. I'm sorry, but your characters are underage. They have no pubic hair. It's not
legal to show pubic hair in Japan. Je suis tout à fait persuadé que Internet est une ressource formidable pour la critique de cinéma, au moins pour deux raisons. Pour les potentialités nouvelles que l'hypertexte, les technologies propres à Internet offrent, dont je ne fais pas usage, parce que je n'en trouve pas des usages. Je ne peux même pas dire que je ne sais pas, parce qu'à force de dire que je ne sais pas, je sais. Enfin, je saurais, mais je n'en vois pas les bénéfices. Moi, je ne sais pas en faire émerger des avantages qui me semblent utiles par rapport à ce que j'essaye de dire et de partager avec mes lecteurs, mais je suis bien convaincu, et on en voit des exemples, même si pour moi on est tout à fait au balbutiement de ça, de potentialités critiques nouvelles liées aux outils d'Internet, au-delà de mettre des bandes-annonces ou des liens qui mènent vers d'autres articles, ce qui sont, disons, des formes assez pauvres d'utilisation des potentialités propres à Internet. Et puis l'autre dimension tout à fait passionnante, c'est la capacité pour des gens qui ne sont pas dans des médias, qui ne sont pas embauchés comme l'étaient les critiques instituées, dont moi, de s'exprimer. Et on voit que sur Internet, il existe des dizaines, peut-être même des centaines, de gens qui font un travail critique approfondi. La confusion vient souvent de ce qu'on dit, sur Internet, tout le monde raconte n'importe quoi. Mais tout le monde raconte toujours n'importe quoi, y a pas eu besoin d'attendre Internet. Avant, on racontait n'importe quoi, et c'était très bien, bien sûr. À ses copains, on sortait du cinéma, et on disait « c'est nul, c'est une daube » ou « t'as vu l'actrice, elle est canon ». Voilà. Maintenant, on fait la même chose, sauf qu'on le poste sur Internet. Mais c'est très bien, le cinéma c'est fait pour que tout le monde dise les trucs qui lui passent par la tête, et il ne faut surtout pas s'énerver de ça. Et puis, sur Internet toujours, il y a des gens qui travaillent, qui cherchent, qui ont un autre rapport au cinéma et à l'écriture, à l'engagement dans un travail d'écriture, et moi j'en connais quelques-uns, il y en a sûrement énormément que je ne connais pas, qui ont eu une réflexion. Le problème, très clairement, c'est qu'ils n'en vivent pas. Ils ne sont pas payés pour le faire, et donc il y a une dimension de désir, d'amour, d'enthousiasme, mais pour ce qui est de lire des choses intéressantes sur Internet, qu'on ne trouverait pas ailleurs et qu'on ne trouverait pas écrite, il y en a plein, et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est toujours pareil. Voilà, dès qu'on est mort, on a du génie. C'est... Là, quand il était vivant, il y avait quoi, 10 personnes qui s'intéressaient à Adrien Villers. Là, maintenant, on s'approprie le cadavre, on lui fait dire n'importe quoi. C'est un cirque. Je sais pas, je crois que c'est pas ça l'essentiel. Ce qui compte, c'est que son œuvre est là, elle appartient à tout le monde, et tout c'est tant mieux. Pour combien de temps? Ça va durer un an. Non. Il sera fini. Ah non, ça restera, je crois pas. Je crois que ça restera, vraiment. Je pense que le cinéma se porte extrêmement bien, qu'il est extrêmement créatif, qu'il vit sous des formes qui, elles, changent en permanence. Elles n'ont jamais cessé de changer depuis 1895. Et le cinéma n'est vivant que parce qu'il change. S'il ne changeait pas, il mourrait, pour le coup. Et je vois dans un certain nombre d'évolutions, dont certaines bien sûr ont à voir avec les nouvelles technologies, y compris la 3D, qui pour moi est une possible bonne nouvelle. On n'en a pas vu beaucoup d'utilisations passionnantes, on en a vu quelques-unes, et pour moi aussi bien Avatar de James Cameron que Adieu au langage de Jean-Luc Godard sont ou d'ailleurs Hugo Cabret de Martin Scorsese, ou le film sur Pina Bausch de Wim Wenders, dans des directions donc extrêmement différentes, prouvent qu'il y a des usages passionnants, riches, innovants, extrêmement différents entre eux aussi, de la technologie 3D, comme il y en a eu de la couleur, comme il y en a eu du son, etc. Et donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pessimisme ou d'angoisse par rapport à ça.
Il y a aussi des possibilités de faire du cinéma de manière infiniment plus légère pour ceux qui le veulent, de manière infiniment plus intime pour ceux qui le veulent, ou de manière extrêmement spectaculaire pour ceux qui le veulent. Pour moi, tout cet arc-là, c'est du cinéma, et ça a à voir avec le cinéma. J'y trouve comme critique qui a à écrire toutes les semaines sur des nouveaux films, comme usager aussi de beaucoup de festivals, énormément de découvertes contemporaines qui me laissent extrêmement optimiste.